Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as dans la main? Une galette. Et pour, elle est pour qui, la galette? Pour moi. Parce que moi, je pensais qu'il allait me l'offrir. Elle n'est pas pour moi? Si. Alors pourquoi tu la manges? Parce que c'est comme ça. Tu m'en laisseras un peu? Oui, je t'en ai laissé une grosse part. Bah, tu peux continuer. Bah, elle est bien, elle est dans un bel état. Il a grignoté la galette. Stéphane, tu peux continuer à manger la galette. Bah, qu'est-ce que tu peux rien? Mais quels sont les parents qui ont dit tu offriras la galette? Elle est bonne, Stéphane, la galette que tu vas m'offrir? Oui. Vas-y, bah, tu tâches de la manger, tu m'en laisses un peu, hein? Je suis sûr que ses parents sont des gens tranquilles d'un bout de l'année à l'autre. Stéphane, tu viens, on l'applaudit. Qu'est-ce que c'est ça alors? Une galette. Et qui c'est qui? T'as pas compris? Si, si, j'ai compris. C'est une galette que t'as achetée pour moi? Oui. Non, parle dans le mien. Pour tous les deux. T'es sûr? Oui. Pour moi, tous les deux. Tous les deux? Oui. Alors, ça, c'est ma part. Oui. C'est les miettes, ma part. Oui. Tiens, tu veux pas garder ma part de galette? Parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais le marchand... Elle était comme ça quand tu l'as achetée? Non. Alors qu'est-ce qui manque? Qui c'est qui l'a mangé? Moi. Il a une galette, là. Non, c'est pas une galette, c'est une couronne. Donne. Jésus, c'est pour toi. Comment on la met? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu vas pas t'embêter pour ça, hein? Ouais, je veux pas t'embêter. Je suis pas bien intelligent. Hein. Voilà. On roule. On met dans le trou? On le sait. Ouais, ben je ne savais pas, moi. Et puis... Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce que j'ai? T'as une grosse caisse qui me fait rire. J'ai une grosse caisse qui te fait rire? T'as un gros ventre qui... T'as un gros ventre. Moi, j'ai un gros ventre? Oui. Ou tu vois que j'ai un gros ventre? Ça se voit pas? Non. Quel âge tu as, Stéphane? 5 ans. Tu vas à l'école? Oui. Tu sais écrire? Non. Alors qu'est-ce que tu fais à l'école? Des dessins. Des dessins? T'as des frères et des sœurs? Un frère. Plus grand que toi? Hein? Il est plus grand que toi? Non. Et avec qui tu es venu là alors? Avec papa, mémé les voix de... Pépé et Albert de voix les coasters. Et puis? Pépé qui? Pépé les voix des coasters. Qui c'est Pépé? Et Mémé Magoïte. Et Mamé Magoïte. Tata Concette. Ah, Tata Concette aussi. Étrange famille. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme métier? Les assurances. Ah, c'est bon. Et maman travaille? Non. Ah, bah si, elle fait la cuisine, le ménage. Oui. T'es sage à l'école ou t'es pas sage? Je suis pas sage. Ah. Qu'est-ce que tu fais pour être pas sage? T'as des bêtises. Dis-moi une bêtise que t'as fait. Rien. Rien. Te le dis pas parce que là, m'a fait une bêtise. T'as mangé la galette entière. Moi, j'ai mangé la galette? C'est moi qui ai mangé la galette? Oui. Oh, bah, t'es gonflé, écoute. C'est moi qui ai mangé la galette? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, Stéphane? Poulet. Quoi? Poulet. Qu'est-ce que c'est un poulet? Une police. Tu veux devenir poulet? Vous n'avez pas intérêt à avoir une contravention, vous. Eh bien, monsieur le poulet. Ouais. Ben, poulet, c'est Stéphane Covali, t'as pas compris? Non, si, je comprends tout. Qu'est-ce que tu chantes, Stéphane? Oscar Skippy, c'est la raison. Pardon? Oscar Skippy, c'est la raison. Tu peux me dire ça? La chanson du hérisson. La chanson du hérisson qui pique. Allez-y. Là. Oscar Skippy. Ce hérisson, allez bien cuire ce chanson. Hostesse qui pique, ce hérisson, allez bien cuire ce chanson.
Merci. Non. T'aimes pas les femmes? Non. T'as raison. Allez.